Bonjour, on se retrouve donc pour ce que je vous avais promis, une surprise. Eh oui, on se retrouve sur Pokémon version blanche 2. Alors, j'ai testé la noire 2, je l'ai eu avant, parce que j'ai réussi à avoir la version japonaise. Je suis sur mon PC, je fais ça avec un émulateur. Vous allez donc voir un petit peu cette nouvelle version. On va y aller. Si ça va bien fonctionner. Attendez, comment on fait? Appuie sur Start. Ah ben voilà, fallait faire entrer. Donc, c'est parti, nouvelle partie. Je vous ai coupé le son du jeu, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Bienvenue dans le monde des Pokémon, mon nom est Cateleria, professeur Pokémon. Donc j'ai déjà fait la Noire 2, hein, donc je me doute que ça va ressembler. Ce sera juste, je vais vous montrer un début de partie en fait, pour vous donner envie d'acheter le jeu. Je pense pas que j'irai plus loin. En fait, au début, je voulais tester une ancienne version, mais en fait, ça marche pas. Donc j'ai pris la version qui est sortie il y a pas longtemps en France. Ah oui, on va dire qu'on est un garçon. On va l'appeler. On va l'appeler Mehdi. Oula, attendez, j'ai peut-être fait une bêtise là. Non, ça va. Parce que. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai qu'il faut que je tape sur les lettres. Je peux pas me servir du clavier, c'est un peu bidon. Mais bon. Donc j'espère que ça vous plaira, hein. Moi, c'est juste pour montrer un début de partie. Pour toucher un petit peu un autre public, hein. Parce qu'on a tous joué au jeu Pokémon, bon. Voilà, faut donner un nom à votre rival, on va appeler le Matisse. Ça va très bien. Allez, on y va donc. Ça va être un peu long, hein. J'irai jusqu'à la première arène. Mais c'est un peu compliqué la première arène, hein. Je vous le dis. Je pense que c'est la même que Noir 2. J'imagine. On peut pas passer ça. Attendez, parce que là, si on peut rentrer dans le jeu directement, bof, quoi. C'est un peu moyen, quoi. Et puis là, je vous montre des trucs qui ont aucun intérêt. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de vous montrer une nouvelle version. Ah, voilà, c'est la même. C'est la même, je reconnais cet endroit. C'est le début, ça. Bon, vous arrivez, je sais plus comment s'appelle cette ville. Donc moi j'y ai joué à la version japonaise, la version noire, là on est sur la version blanche. C'est donc la blanche 2, j'ai joué à la noire 2, où j'ai pas fini. D'ailleurs, je dois remercier New Titeuf qui nous a montré comment utiliser pour avoir les versions japonaises par avance. Donc je vous mettrai un lien vers sa chaîne, si ça vous intéresse. Parce que c'est mieux qu'elle allait acheter une DS pour ça. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, bah le jeu va commencer. Ça serait pas trop tôt, parce que là, il se passe rien. Ah, je passe les dialogues, hein, parce qu'aucun intérêt. Alors, on a Bianca qui va arriver. Donc moi, je la connais, cette version à peu près. À mon avis, il y a quelques différences avec la Noire 2, mais bon, à mon avis, bon, ça va pas changer beaucoup. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc là, on va y aller peut-être, parce que bon, on va pas vous faire attendre longtemps, là, voilà. Tu connais le professeur Cateleria, d'accord. Rien à faire. Allez, oui. Oui. Allez, c'est bon.
Heureusement, je sais où y aller. Alors, ce jeu a un problème, c'est que vraiment, vous êtes tout le temps embêté par votre rival. Vous ne battez jamais contre lui, mais voilà, et ça commence. Ça commence, ça commence. Alors lui, dans la noire 2, il m'a embêté tout le temps. Allez, faut qu'on retrouve Bianca. Heureusement, je sais où elle est et on va gagner un temps fou. Attendez. Ouais. Ça doit être juste au-dessus. C'est à gauche de la ville. Voilà. On va gagner un temps fou parce que la première fois j'ai cherché. Et oui, mais là, elle est en haut. Allez, vite, vite, vite. Putain, c'est pas possible ça. Allez, allez, ah, c'est bon là. Donc je pense que je prendrai le Pokémon O, que son nom m'échappe. Je sais plus comment il s'appelle là. Oh, c'est pas possible. Bon. Allez, vite, vite. C'est grand. C'est vraiment un truc vraiment embêtant pour pas être grossier sur ces versions, c'est que vraiment vous êtes embêté par les dialogues tout le temps. C'est invraisemblable. Bon alors. Allez, allez, c'est bon. Alors, vous avez un gros cuit, un vipélière et un moustillon. Ah, moi, je prends moustillon. Allez, hop. On est parti. Voilà. L'autre va prendre vipélière. Non, pas de surnom. Allez! Voilà, on a eu un Pokédex! Ouais! Oh là là, mais c'est vraiment. Mais vraiment, il y a trop de dialogue dans ces versions! Beaucoup trop de dialogues, vous perdez beaucoup de temps, ça sert à rien du tout. Si ça continue, je vais finir par couper la vidéo parce que là, franchement, c'est exaspérant. C'est exaspérant. Allez, faut déjà combattre contre le mec là, oh là là. Voilà, et un premier combat, donc ça va vous montrer un premier combat, on va se faire écrabouiller parce que. Voilà, vous savez même pas qu'un pied, voilà. Vipélière et nous on a un pauvre moustillon, donc qui est désavantagé face à Vipélière, mais bon. Là. Comment on fait? Ah. On va faire charge, hein. On va pas. Oh là là, il attaque en premier. On est mal barré parce que il est plus rapide. Ouais, il est beaucoup plus rapide.
Mais c'est fait exprès en fait. Après, il utilise gros yeux pour vous laisser gagner parce que sinon. Et voilà, c'est fait exprès pour que vous gagniez. Je viens de savoir un truc, il n'y a pas l'expérience. Là par contre, c'est un problème. Pourquoi il n'y a pas l'expérience? Si on reste avec des Pokémon de niveau 5 toute la partie, on va pas y arriver. Je sais pas, je sais pas, je vais vérifier. Je crois qu'il y a un problème de ce type, mais bon. Oh là là, je sais comment utiliser un centre Pokémon. C'est vraiment une exagération, ça, franchement. D'accord, si vous connaissez rien au jeu Pokémon, vous allez me dire que je dis enfin, que pas que je dis n'importe quoi, mais c'est des choses que vous savez, quoi. Donc, bon. Voilà, des Pokéballs, bah voilà. Allez, bah. Comment passer des heures à faire des trucs qui servent à rien? Moi je vous le dis, allez, allez. Franchement, allez, qu'est-ce qui arrive encore? Allez, votre mère qui arrive et qui va vous faire un. Vous donner des chaussures de sport, mais que je ne sais même pas comment on utilise. Maintenant, le bouton B enfoncé, mais le problème, c'est qu'on est sur ordi et que le bouton B. Le bouton B, bah, on va essayer le bouton B, mais j'en sais rien du tout, moi. Allez. Alors, on va voir si c'est le bouton B. Et ben, comme vous le constatez, je maintiens le bouton B enfoncé et ça ne fait rien. Vous offre une potion, c'est toujours utile. Mais en fait, le jeu est facile au début. Il y a la vérité, là, vous allez retrouver Bianca qui va vous embêter, là, voilà. Ouais, c'est high-tech le Pokédex, ouais. Très bien, voilà. Là, c'est toujours le même, hein. Un Chakripan. Niveau 2, elle sort un Ponchio. Niveau 5, attention, le combat de Titan. Elle fait charge. Le Chakripan perd quasiment toute sa vie, comme par miracle. Il utilise rugissement. Évidemment, l'attaque qui sert à rien. Voilà, et là, elle va faire ball et elle va prendre le Pokémon et le faire utiliser. Et là, vous allez voir, comme par miracle, elle, il s'échappe jamais. Là, c'est normal aussi, elle est presque mort. Et voilà. Bon, comment on vous explique des trucs qui servent à rien. C'est juste hein, pour vous montrer le début de partie. Hein. Si c'est aussi bidon que ça, je pense que j'y reviendrai pas. Hein. Mais je voulais vraiment vous montrer un début de partie pour diversifier un peu mes activités sur ma chaîne. Ok, bon, on va attraper un peu des Pokémon peut-être. On va voir.
voir. Ah, qu'est-ce que c'est? On va éviter les chats crippants, les rats attentifs. À niveau 3, est-ce qu'on tente? C'est une femelle. Est-ce qu'on peut tenter? On va tenter, hein, mais bon. Je vais tenter de le tuer parce que je veux voir s'il y en a l'expérience. Parce que s'il n'y en a pas l'expérience, ouais, ça va être bidon, quoi. Ouais, je vais tenter de le tuer. Donc voilà, ça va faire charge. Là, il est mort. Enfin, il est KO, excusez-moi. Et on n'a pas l'expérience. Ah, ben, dis donc. Je me demande ce qui se passe. C'est un dresseur, ça? À mon avis, il monte de niveau, mais vous n'avez pas le détail. J'aurais dû prendre la version japonaise, mais bon. Allez, qu'est-ce que c'est encore que ça? Ouais, attends, je vais prendre la Pokéball qui traîne là-bas. Ah, oh, une potion. Attendez, je vais faire quelques combats pour voir s'il monte de niveau parce que c'est quand même un peu bidon là, hein, si on sait pas comment il monte de niveau, s'il reste au niveau 5, bof. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la version sur Nintendo DS et qui peuvent me le dire comment ça se passe. Parce que là, on n'est pas dans. C'est un peu bidon là, hein? Parce que s'il ne monte pas de niveau, je me demande comment. Comment vous. Vous progressez, quoi. Expliquez un peu, parce que bon. Ah, j'ai du mal, si vous croyez que des niveau 3, toute la partie, ok. Il n'y a pas d'expérience. Il faut m'expliquer quelque chose. Je vais en faire un dernier pour être sûr que, en théorie, il aurait dû monter au niveau 6. Et je vais en faire un dernier. Parce que là, c'est complètement bidon. Je vous le dis, hein, si vous pouvez pas XP vos Pokémon, c'est bidon, quoi. Là, j'ai pris la version FR parce que. Et je reviendrai peut-être sur ma sauvegarde noire 2 japonaise parce que je suis beaucoup plus loin dans le jeu et je pense que si je fais des vidéos, je referai là-dessus. Pas là-dessus qui est vraiment bidon. Même si le jeu est totalement en français, évidemment, il est sorti en France maintenant. Donc. Ah, c'est complètement bidon ce jeu, c'est bidon. Vous n'avez pas l'expérience. Faites ce que vous voulez, vous n'avez pas l'expérience. Voilà, bon. J'irai jusqu'à la première arène, hein, même si. Je pense que même pas que j'irai jusqu'à la première arène, parce qu'il y a un truc de fou à faire avant. Ouais. Mais je sais même pas comment. Faudra qu'on m'explique, mais comment vous. XP vos Pokémon, quoi. C'est complètement bidon, ça. C'est parti par là, notre ami. Par les amis. Ah. Voilà, alors là, je vous dis, je sais pas si je vais continuer cette vidéo. Je pense que je reviendrai sur. Ah, et voilà, les combats, ça commence.
Alors, on va voir si on XP un peu, parce que là, là c'est bidon. Ratentif, niveau 4. Julien est dans. Vous pouvez pas XP au Pokémon, c'est grave quand même. Ce jeu est grave, je suis désolé. À moins que. Faudra qu'on m'explique quelque chose, j'ai rien capté. Encore un combat. J'ai rien capté. Rien capté à ce jeu. Je pense que si, ouais, je vous dis, je reviendrai sur Noir 2 japonaise, que j'ai bien avancé. Et je vous montrerai quelque chose d'intéressant parce que là. Même moi, je suis pas convaincu de l'intérêt de ce que je vous fais, là, donc c'est grave. Je vous le dis même franchement, je suis désolé, mais c'est complètement bidon ce que je vous fais. C'est bidon. C'est bidon ce que je vous fais, je vous le dis. Hein. Là, voilà. Je n'ai pas voulu le télécharger en japonais parce que. Parce que. Pour éviter que vous ayez. Pour que vous ayez du dialogue, mais en fait, on n'a rien à faire des dialogues. Hein. On n'en a rien à faire des dialogues, surtout que. Ah là, il reste un PV. Donc, il vient de sortir en France, hein, ce jeu. Il faut aller soigner les Pokémon en plus. Ben désolé, mais là je vais arrêter cette vidéo parce que c'est nul. Franchement, c'est nul. Je vous le dis, on peut pas XP les Pokémon, donc quel intérêt ça a? Je vous le demande, moi, quel intérêt ça a que je continue? Je peux pas XP les Pokémon. Voilà, donc ça aucun intérêt. Donc j'en referai une sur Noir 2 japonais où je pourrais vous expliquer. Voilà un peu comment j'ai avancé. Je vous montrerai du gameplay intéressant. Parce que là, c'est zéro. Allez, merci à tous. Et on se retrouve sur, je pense, tout à l'heure pour le tuto sur comment nettoyer son PC. Allez, à plus!